Gagnez sur les deux tableaux. Avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass, 4 pare-eux hybrides rechargeables. Voiture officielle de la Jeep Elite. Mais Loom, il était où sur cette action? Il a même pas suivi, il était loin. Il conteste pas le shoot. Attention, hein, Miles Sisson, c'est un shooter quand même. Le deuxième de suite. Ouais, il fait une sacrée belle saison. Simon qui décale. Et dans le corner, le voici. L'homme en très grande forme, Van Wen. On va réussir à le placer. Non, mais surtout que la fixation était bonne. Et on l'a dit, elle est très adroit à 3 points aussi. Attention Armand. Joueur, hein. Armand, très fort joueur. Aïdé Goupil à 3 points, c'est un des de la Ligue. Il shoot à 52% à 3 points. Hein. Vous avez vu qu'il a servi encore une fois. Hein. C'est Holston qui contourne Loom. Il va reculer. Il a hésité avant de finalement fixer dans la peinture. Loom, il a l'avantage de taille sur Mark Gélabal. Ah, il le fait courir. La passe à terre. Le ballon qui circule bien. Dijon qui se met en route. Et Loom encore autoritaire dans la peinture. Pour l'instant, il règne. Le repli défensif est là. Armand, il a pris le meilleur. Il a pris le meilleur sur son vis-à-vis. Ah, il est diabolique. Je déteste ça. Le scoring 21-16. Ouais, Dijon en difficulté là. Julien, il a vu l'ouverture. Mais ils ont tous décidé de ne pas défendre ce soir. Ouais, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Le petit coup. Bandeau est un peu trop détendu peut-être. Il arrive à trouver Camara dans la peinture. Et c'est encore dans la peinture que ça se passe pour les Chalonnais. Et revoici Axel Julien. Julien, il va perforer la défense, le Eurostep, mais le gros retour. Sa défense, Axel Julien qui est rentré dans un chalonnais, pardon, et ça libère des espaces. Ça libère notamment. Bonne passe trouvée. Oh, et à l'arrivée, Jacques Alingue. Magnifique. Jacques Alingue est servi dans un fauteuil. On patiente, 6 secondes. La bonne il a fait sauter son défenseur et avec l'aide de la planche, le teardrop qui va rentrer. Bah, si vous avez envie de le dire, vous trouvez qu'il fait 44 ans donc. Pas du tout, pas du tout. J'ai simplement lu la mauvaise fiche. À Dijon, on est à 29 partout. Occasion pour la JDA de reprendre les devants. Alingue qui reprend cette balle. Nouveau on en ballon. Parle du shoot de Chase Simon sur ce côté là. Affreux par contre celui-ci. Ah, il est de qualité. Van Wen. Julien, la patience encore des Dijonais. Simon, il a trouvé un tir dans le corner. Beaucoup, beaucoup de réactions à ce derby bourguignon. Pendant qu'on va pouvoir réagir aussi à cette création, à cette créativité. Galliou à l'arrivée. Loom qui va attaquer le cercle, qui préfère se retourner vers son meneur. Ça ferme bien sur les pénétrations. Sur l'homme, ça ne s'est pas passé. Quoi se fait passer? Oh, par contre, lui, il arrive à ouvrir les portes du saloon. Il y a le deuxième rideau. Ah, quand il met les gaz, celui-là. Encore le duel, c'est plutôt sympa hein, de voir ce duel entre les deux hommes. Oh là là, et cette fois c'est Armand toujours à la création. Chase Simon qui a essayé de lui agripper cette balle. Bon, c'est un tir drop difficile. Et Buckner qui vient s'en saisir. Oh, par en dessous. Le All-Star qui régale là-dessus. Ah, une possession hein, pour Dijon. Ah, il a surpris tout le monde. Il va falloir commencer à jouer. Faut qu'il lève la tête. Faut qu'il lève la tête, Holston. Il déclenche. Oh, et c'est dedans, évidemment. Le lutin diabolique. Est-ce qu'il est à 3 points, évidemment? Il est à 3 points, évidemment. Il est diabolique. Et il est clair. Qui a pris le dernier tir de la première mi-temps? Finalement, ça sera une passe pour Jaron Johnson. Ligne de fond, il est passé. Et il va pouvoir dégoupiller le premier shoot. Crawford. Et Son. Ouais, le spin, il était oh, la bonne passe. Quelle passe trouvée aussi de nulle part celle-ci. Et c'est Johnson qui fait le ménage. Ça c'est dunk ça. Ouais, quelle passe et bien trouvée, ça sera au moins une passe D avec Loom à l'arrivée. Dans l'exécution du système, c'est pas super quand même. Oh, les hoop dunk. Eric Buckner. Grosse qualité physique. Quelle qualité, qualité. Par contre, Esson, il a pas hésité une seule seconde à monter sur deux Dijonais. Le ballon perdu à la récupération de balle en transition. Monsieur Jaron Johnson. Crawford, le double zéro. Oh, il a réussi à passer ce ballon au-dessus de Loom. Comment il a fait? Il y avait les tentacules pourtant qui semblaient.
On reste avec les Dijonais. C'est encore démarré, ligne de fond. Et encore cette fois, c'est un Dijonais. Remontée de balle. Holston qui n'hésite pas à 3 points, bien sûr, Dikash. Dikash for free. Avec cette qualité, hein, il remonte la balle et il joue pour lui-même. Voici une peut-être pour Chalon qui va finalement choisir Crawford. Jordan, il est passé. Jordan Crawford, il est trop fort. Jordan. Hashtag SEF Basket, bien sûr, pour réagir tout au long de cette soirée. Holston, il arrive à passer encore. Passe. Comment il la trouve? Et au dunk. On est de retour. Ah, ça commence à prendre hein, ce derby bourguignon où de très loin il a déclenché. Oh là 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 là. John Schoenermund à 3 points. Qu'est-ce que vous. Un ballon téléguidé. Crawford lui aussi il a envie de faire parler la foudre. À monter en température, Crawford Armand, ça peut faire des gros dégâts. Bien pris la perte de balle. Et la contre-attaque est menée par Crawford. Oh là 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 là, il dégoupille! Il dégoupille de loin! Ballon dans les mains de Garrett Sim. Oh, quelle passe! La passe laser! Et par contre, il est bâché au dernier moment! Alain Gay. Ouh, oh, quel artiste aussi! Il passe entre deux joueurs. Défense-attaque! Ça peut pas passer entre les deux comme ça. C'est impossible. Le rebond, il est autoritaire pour Camara. On n'a pas beaucoup vu hein, ce soir, Camara. Très peu. Ah, et Mike Sesson qui va pouvoir être trouvé. Bonne lecture hein, de Garrett Sim pour Sim. Alain Gay. Ouh, quel panier! Quel panier, il arrive à trouver ce tir encore au-dessus de la planche, tout en haut. David Holston. Alors, on va surveiller ça. Laurent Le Niam avait proposé quelque chose. Regardez le mouvement, la et circulation bah voilà. De balle, exactement ce qu'on veut faire du côté de Dijon. Vous avez c'est vu. C'est exactement ce que. Holston pour la création. Pour encore ressortir à 3 points. Ça insiste à ce niveau-là et ça paye. Oh, il était parti. Ah, il était parti. Il doit mettre ça. On sait qu'il est capable en plus de le faire sans problème. Mais quelle passe. Crawford qui mâchouille son chewing-gum là. Il mâchouille quelque chose. Le contre, encore une fois, c'est le deuxième sur David Holston. Décidément, Mike Sesson. David Holston qui se laisse pas intimider. Il se laisse pas intimider. Il shoot sur la truffe. Quelle passe trouvée. Le génie Axel Julien. Camara, Crawford pour prendre ce dernier tir, mais on va en rester là. La JDA Dijon empoche son 9e succès en JP Elite et surtout reste invaincu.